Dans un saladier, je mets mes cubes de poulet, ensuite les épices et l'huile d'olive. Je mélange le tout et je place au frais pendant 30 minutes. Dans une casserole, je mets le poulet, le poivron taillé en lanières rouge et vert, ainsi que l'oignon émincé. Et je cuis le tout pendant 10 minutes à couvert. Dans le saladier qui m'a servi à faire mariner ma viande et donc qui contient encore un peu d'épices, je fouette les œufs. Puis je verse le mélange, les crèmes fraîches. Et puis j'assaisonne de sel et de poivre. Je fonce mon moule à tarte avec un disque de pâte brisée. Donc j'ai garni ma tarte, mon fond de tarte avec ma préparation refroidie et je verse par-dessus mon appareil œuf crème fraîche et j'enfourne pour 30 à 35 minutes dans mon four à 200 degrés.